m'appelle Lila, je travaille pour Europress. C'est une plateforme de presse en ligne dans laquelle vous trouverez plus de 14 000 titres, dont nos grands quotidiens nationaux comme Le Monde, Libération ou encore Le Figaro. C'est une plateforme qui vous permettra de faire de la recherche documentaire, aussi bien sur l'actualité que dans nos archives, puisque celles-ci peuvent remonter jusqu'à 1944 pour Le Monde, par exemple. C'est un outil qui vous permettra, à vous enseignants, que vous pourrez proposer à vos élèves, évidemment, pour faire de la recherche documentaire, de la surveillance média, des dossiers thématiques, pour travailler en collaboration avec les autres disciplines et ainsi proposer à vos élèves des contenus de qualité. L'idée est de proposer à vos élèves une source d'information validée et ainsi pouvoir travailler avec eux sur tous les sujets et notamment la question de l'éducation aux médias et à l'information. Europress travaille toujours à augmenter son contenu et du contenu de qualité. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur nos ateliers pédagogiques que vous pouvez utiliser clé en main ou qui peuvent vous donner des idées. Vous les trouverez très bientôt sur notre site internet. Alors évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, l'enjeu de l'éducation aux médias et à l'information est important. Et on a vraiment à cœur de développer cet enseignement avec vous, de vous soutenir dans cette démarche. Et tout au long de l'année, sachez que nous proposons des webinaires, notamment lors de la semaine de la presse, où nous proposons aux enseignants de témoigner de l'évolution de leur métier et de partager ainsi leurs bonnes pratiques. Nous les faisons également en collaboration avec une association que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Entre les Lignes, qui est une association de journalistes bénévoles qui se propose des cours sur le fonctionnement des médias et également sur toutes les questions du fake news. Voilà. Nous vous invitons à aller les contacter sur www.entrelesignes.fr.